Et on est de retour. God of War, Ragnarok. On va continuer notre petite aventure. On est arrivé ici. Je sais plus le nom du lieu, désolé. À Svartalfheim. Svartalfheim. Mais les nains l'appellent un autre nom que je ne sais plus. Ah tiens, coffre de normes, coffre légendaire, connaissance artefact, corbeau d'Odin. Donc ils nous disent tout. Ça c'est cool ça. Achèvement. Aperçu du monde. Starvelin, Midgar, maison de Sindri. Ok, ça c'est bien. Du coup, on peut complètement continuer à chercher les choses en fait, si jamais il nous manque des choses. Ça c'est bien. Ça c'est comme je disais au début de, je crois de qu'on a commencé God of War. Le premier c'était pareil. C'est pas des choses cachées en fait. Ils vous disent ce qu'il y a à trouver et tout ça. À vous de les trouver, à vous de combattre, à vous de faire les aventures en fait. Donc ça c'est bien. C'est pas des choses super obscures que vous devez passer genre 3 heures sur internet pour trouver. Enfin, des trucs comme ça quoi. C'est vraiment sympa. On y va? Donc le corbeau d'Odin il est juste là déjà. C'est déjà fait. Oh, c'est joli ça. Si j'arrive à décoincer ce bateau. On devrait pouvoir l'utiliser. Ah, un espion à plume de moins. Service, les yeux d'Odin, commencez. 1 sur 48. Attention, petit. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Comment elles peuvent être si rapides? C'est quoi ces machins? Une autre calamité sur la route. What? Ah, la musique est cool. Je vais voir un peu comment ça marche au bouclier. Ouh, cool. Donc nous on a le bouclier. Nous on a le bouclier tank. M'as-tu fait toucher ou je rêve? Les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Mais j'ai décoincé le bateau. Quand tu seras prêt, on empruntera ces canaux. Ça marche. Donc ouais, nous on a le bouclier qui se charge, du coup, qui peut bloquer les attaques, les semi-attaques dangereuses, là, les jaunes. Ah, je crois que c'est les charges à gauche du triangle, en bas à gauche. Je crois que ça doit être ça. Ok, on a de la vie là. Oh! Crapaud. Ah, pardon. À quoi sert cette chaîne quoi, dans ça? Sans doute un bac de ravitaillement, nain. Mais le bac en question semble avoir disparu. Hein. Je pense pas qu'on a besoin de se soigner, il manque pas grand chose. Ah, c'est comme dans le 1, on va utiliser le bateau. C'était cool de se balader. Kratos y racontait des histoires aussi, c'est marrant. Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici, contre Odin, et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé? Surveille l'eau. Tu y trouveras des ressources. Oh, c'est quoi ça? Si tu n'as jamais demandé à mère ce qu'elle avait fait avant, de quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue? Est-ce que tu lui as juste dit « Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. » Avant de disparaître pour 5 jours? Non. Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Wow. Ok. On peut s'arrêter là? Ah, là peut-être.
Ouais. Oh, il y a des lézards. On est reparti. Ah, je crois que les endroits là qui brillaient, c'est où il peut récupérer des objets. Peut-être ça aussi, non? Oh, ok. Bon, on avance. Ah, bah du coup. Voilà. Tu as vu ça là-bas? Vu quoi? J'ai rien vu. J'étais trop occupé à regarder à droite à gauche. Ah là, objet. On peut s'arrêter au camp là? J'ai pas l'impression. Non, c'est pas un coffre ça. Non, on peut pas apparemment. Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors c'est ça une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique c'est les vrai. Yeux. Maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Ouais. Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. Ah. Ah, oh, cette eau gèlerait. Penses-tu qu'on puisse le geler? Yeah, ok, bien vu. Atreus. Bien vu. Oh, je m'en rappelle de ça. Ah, oh, il faut taper les trucs. Ah oh, putain, c'est relou. Bah ça va, il faut juste les détruire, ça va. Des fois, il y en avait, il faut le faire avec un temps et tout. C'était une horreur. C'est une horreur à faire. Je dois être aveugle. Après, c'est possible qu'il soit pas là, hein. Qu'il soit autre part, hein, le machin. Je crois. Là, je le vois pas, là. Bon. On va continuer pour le moment. Ah, trouvé. On dirait un artefact de la résistance des nains. Le brassard de Redmar, père de quelques nains que tu as bien connus. Rock aimerait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature. Ok. Attends, si vous parlez trop, vous faites trop de trucs là. On a récupéré, c'est quoi? C'est juste un objet à donner, c'est ça? Codex.
Ressources. Source unique. Fragment, parcours d'énergie une automate capable de déplacer la Terre. Amélioration d'armes. Ok, ça marche. c'est bon, on a le coffre. Ouh, c'est joli. Pomme d'Idune. Vous avez collecté assez de pommes d'Idune, santé maximum augmentée. Yeah, ça c'est cool ça. C'est assez solide pour grimper ? Oui, les constructions naines sont robustes. Ah oui, du coup on peut taper quand même avec le bouclier. Ouais. Sympa. Tyr était un ami des géants. Je me demande si Mer l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh la vache! Ouais, j'avoue. Je suis bloqué. Morne, fais voir un peu ce que ça dit. Le morne occupe l'ample espace central du cycle de vie des monstres de gaz hostiles de Svatarheim. Ce sont les adolescents de l'espèce, en quelque sorte, des adolescents violents et gazeux, comptant parmi les occupants. Ils m'ont déjà enlevé la moitié de ma vie. Comptant parmi les occupants les plus mobiles des 9 royaumes, les normes peuvent parcourir presque n'importe quelle surface et disparaître sous terre à une vitesse déconcertante, ce qui les rend facile à perdre de vue. Fort heureusement, ils n'ont pas encore appris à voler. Ah, putain. Ah, mon bouclier est presque chargé au max. Ah, on le voit qui brille et tout. Cool. Derrière toi, mon frère! L'autre, on l'a fait tomber aussi dans l'eau. Mur de pierre. Pouvoir du bouclier là, absorber les attaques en un. Oui, oui, c'est ce que je viens de faire. Oh la vache, oh d'accord. Je fais des tests avec le bouclier, mais c'est pas... Bon, faut pas oublier qu'ils font très mal, hein, donc... Mais c'est sympa ce bouclier, j'aime bien. Faut que je m'habitue. Faut que je sois mobile et bouclier en même temps, faut pas que je fasse que bouclier. Sinon je vais mal finir. Oh, y'a un truc en haut. À droite! Merde! Derrière toi, attention! Non, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Bon, bref. Ok. Mur de pierre, ça marche.
Est-ce qu'ils peuvent venir? Yes. Je me suis fait toucher, putain de merde. Sur ta droite. Vas-y, fais un truc. Ça, c'est marrant. J'aime bien le bouclier. Mais il faut que je sois beaucoup plus mobile, en fait, quand même. Mais il est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup le fait de bloquer les attaques et tout ça. Pouvoir parer les grosses attaques. Faire forger plus 2, ça c'est bien. Là-bas, il y a une pierre, mais on est plein. Donc ça va, pas la peine. Ah! Merde. Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la terre finit par se montrer instable. Tu pourras atteindre la roue d'ici? Je pense. C'est pas du tout ça que je vais faire. Waouh, parfait. Oh, wow. Tu l'as fait descendre exactement où on en avait besoin. Mais moi aussi, je trouve ça étrange. Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais que c'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulwetter ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours l'hiver. À Midgard, il l'est. Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers ou les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes. Je pense qu'on a tout. Hein. Je pense qu'on peut partir. Ouais. Boum. Boum. Ah, on peut passer par là? Ah.
Il y a un coffre en haut, il y a des trucs. Tu crois qu'on peut passer sous ce pont ? C'est sympa. Ah, là on peut s'arrêter. Ah, la fin de... Là, tu es en train de se recharger. C'est de ma vie qui part, quoi. Ah, vraiment bien vu. Cuir brut. C'est pour les armures, ça. Rune brisée. Putain, cool. Rien d'intéressant là-haut. Quoi, rien d'intéressant là-haut? Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pris. Attends. Là, tu me fais douter maintenant. On a tout pris. Je pense qu'on a tout pris. C'était cool. Ah, c'était juste de l'annexe en fait, ok. Derrière toi ! Oh la pute, j'étais en... C'est quoi ça?
Ils ont bouché ces geysers ? Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Mais il n'y a pas assez d'eau. Ah, c'est pas très compliqué quand on peut faire ça. Bon, on est. Il y a ce départ. Très bien. On a gelé un de ces geysers. Y en a-t-il un autre ailleurs ? Ah, la pression va être... Ok. Et est-ce que ce geyser oui, là-haut, oui. Il est plus fort ? Oui, j'ai compris. Quand tu as gelé le geyser, les yeux ont dû monter en pression. C'est ça, voilà. Oui, la roue tourne et la porte descend. L'ingéniosité naine alors. Retournons au bateau. J'aime bien parce que il me dit pas directement ce qu'il faut faire et tout. Donc on a le temps de. Si les nains de ce royaume sont comme Brock et Sindri. De prouver soi-même. Je doute qu'il soit du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Ouh. Ouh. Alors, comment... Ça m'intéresse, ça. Ouais, non, là, ça... Il y a un gros coffre à récupérer. Ah, peut-être par là. Ah, sûrement par là. Oh, tout est en ruine. Et oui, je reste sur mes gardes. Cet endroit doit grouiller de morne. On peut pas les attirer eux. Si si. Attention à gauche. Oh la vache, vas-y. Frère, ce morne s'est trouvé un perchoir. Derrière toi, prends garde.
poison. Cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait tomber. Ouais, il y a l'autre qui est toujours en l'air. Hein. Oh, bien. Ça va, on commence à un peu mieux gérer les enchaînements et tout ça. Il est stylé le bouclier hein, quand il charge. Ah, oh, il perd sa charge, ok. Et que, ok, elle reste que en combat en fait. On va pas casser ça, c'est de la rage. On va le laisser là. Je sais pas si les cristaux restent de mémoire, je crois. Enfin, dans le 1 en tout cas. Ça va, on commence... je commence à maîtriser certains... genre enchaînement et tout ça. J'aime beaucoup là, ce bouclier là. D'accord. Faut détruire des trucs. C'est quoi ça? Ah. Ok. Alors attends, c'est quoi les lettres? BN. Ça c'est fait. Il n'y a rien qui vient. Ah ben oui, non mais c'est ceux qu'on a tués, je suis con. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça tue. Des manches qui alimentent le chaos, renferment l'âme, tuer un ennemi attire la rage partielle à l'intérieur. Ok, c'est des nouveaux manches. Des manches qui alimentent le chaos que renferment les lames. Tuer un ennemi attise la rage partielle à l'intérieur. Cool. C'est con parce que c'est pas trop mon truc, les lames. Comme je disais, je préférais vraiment la... la hache en fait. Et ça n'a pas vraiment changé. J'aime bien la hache. Je préfère la hache. On a toujours un symbole à trouver par contre. Ah bah voilà. N. Est-ce qu'il nous manquait? Ah, on a un coffre. Ah oui, c'est bon. Ouh! Rage maximum augmenté, vous avez collecté assez de cornes d'hydromel sanglant. Sympa. Donc on a fini. Alors du coup. Oh!
Ouais, ça régène un peu ma vie. Ok, j'en perds quand je sors aussi. Pas mal, pas mal. Il y avait un royaume assez sympa dans le premier, je me rappelle. Où je crois que c'était les elfes noirs qu'on combattait. Vraiment cool. Il semble que tu cherches à enrôler Tyr comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur. Oh, il y a des trucs à faire là. Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nyssa Velir. C'est vraiment cool. Des fois, je sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment sympa le. Ah mais t'as pas l'air méchant en fait. Si. Non, t'as pas l'air méchant. Regarde mon frère, l'étrange créature a refait surface. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Elle va trop vite. Alors comment l'attraper? On la contourne, attaquons par derrière. Bien. Si on lui balance l'âge. Pourquoi il veut l'attraper? Attaquons par derrière. T'as réussi. Ah, elle doit sûrement se cacher quand on lui balance la hache directement. Une créature mystérieuse, Mimir l'a dit, née d'une braise sous le coup de marteau de Surtr. Travaillant à sa forge, le gardien de Muspelheim aurait activé son soufflet pour donner vie à la braise, qui se serait empressée de voler et de consumer les métaux précieux qu'ils utilisaient pour forger une arme. D'après Mimir, Surtr aurait trouvé cela très amusant. À sa place, je n'aurais pas apprécié. Voyons ce qu'elle a perdu. Là. Ouh, la vache. Ah ben putain. Père, là-haut. On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Eh ben, ça c'est de la protection, hein. Putain. Regarde, on peut tirer sur cette chaîne là-haut. Ça marche. Mais merde. Putain d'acide de merde. Waouh. Nista.
Ah, je me refaisais encore un peu de vie et là les trucs l'acide putain ça fait mal. Pourrait dégager ce geyser d'ici. Ouais, sûrement. Ah, je crois qu'il faut faire tomber l'enclume là. D'où je tire ma hache, moi. Oh, ok. Oh, je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Ah, du coup, on est du mauvais côté. Il y a le bloc qui descend. Ça marche. Je suis mauvais. Il y a autre chose à frapper ? Pas mal. Tu vois quelque chose depuis ce bloc ? Ouais, je voudrais bien monter. Oh. Comment... Et si tu gelais le geyser sous la roue ? C'est une idée ? Ah, ascenseur ! Bon, bien vu, fils, bien vu. C'est l'un des poèmes de Kvasir. Très élaboré. Tu devrais essayer de les collecter. Bien joué, fils. Une histoire de génie issue de l'esprit de Kvasir. Imaginez, cher lecteur, imaginez un peu des monstres d'acier sur terre, ciel et mer étant terrassés par une guerrière de mer inconnue, des cheveux de feu, des lieux défendus, terre et ses aïeux. Qui est donc cette fille si peu ordinaire qui sauvera des vies des géants de fer ? Petit, j'ai une question. Qu'espères-tu apprendre de Tyr exactement ? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Et aussi j'aimerais entendre ses histoires. Ses voyages sur d'autres terres, les géants et... peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. C'est vrai. Cette secousse tout à l'heure, il pourrait y en avoir d'autres ? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et... et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulwetter. Peut-être que les tremblements de terre aussi. Ah, tu as peut-être raison, petit. Atreus, devant toi. C'est quoi, des champs ? Oh, alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nissavelli, mes frères. Je crois qu'on... On leur fait peur, je crois. Des nains ! Oh. Ils s'enfuient ?
Ouais. C'est une alarme ? Bah, nous on est sorti. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi ? Wow. Tout ça pour nous ? Ils ont peur. Bah oui, Odin il a dû c'est dire que. C'est bien une alarme, je le crains. Qu'on est un monstre. Pourquoi tout le monde se cache ? Attention. Le dieu de cendre. T'es joli, hein. Plein de trucs. Est-ce qu'on peut tout casser ? On peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Non. Espérons qu'ils nous laissent entrer. C'est quoi ça ? Ces bâtiments sont vraiment incroyables. Toutes ces boiseries sont remarquablement ouvragées. C'est quoi ça ? Wow. Ok, protection. Est-ce que c'est une statue d'Odin ? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Là, poulet. Côte, côte. Sindri. Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. Vos parchemins de connaissance ? Je ne peux plus vous entendre parler de pénurie. Les As ont tout ce dont nous avons besoin. Je refuse de que mon travail souffre du plaisir qu'ils prennent à conserver leurs ressources. Aussi, dont j'ai besoin un baril d'huile, autant de bois de chauffe que possible, 5 lingots d'acier pur et, oh, j'allais oublier, de quoi remplir nos foutus estomacs. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'on a loupé ? Je te remercie. Reste de bête. Qu'y a-t-il, nain ? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Non. Oh, si ces dalles pouvaient parler. Faut que tu m'aides avec les protections. Des bouches. Ouais. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc ? Pouf, il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle. Aouh ! De certains matériaux aux vibrations sonores et quelque chose de... que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci de... d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois ? Patience ! Je trouve qu'il est mieux de voir ces choses... de ses yeux. Ouh. Oh, oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis... Scalfa. Scalfa. Alors, vas-y. On tient à deux pour viser. Non, maître, je tire les flèches soniques. Scalfa. Ah ! Je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la moitié des affreux rampants de Nissabeli. Comment aurais-je pu savoir que ce serait là ? Garde-toi ! Prends garde ! Oh la pute ! Maintenant, Durla. Ok, alors attends. Sindri, tu sais où se trouve la taverne ? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse ? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste.
Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. Ok, ça marche. Ah, attends. Si ton ski alpha là il marche. Wow. Oh, ok. C'est un peu trop efficace en fait. Oh. Un autre poème de Kvasir. Alors, deux armées rassemblées, chacune de 9 guerriers reposés et nourris et vus d'un long conflit. La sphère suit son chemin, un bâton dans des mains. D'un mouvement l'intercepte, les spectateurs expectent, car 9 jours et 9 nuits, ils s'affrontent sans répit, courant puis attendant, pour prendre l'ascendant jusqu'à ce que, enfin, une armée en déclin soit dominée au point et quitte le terrain. Ça va, c'était beau. J'ai pris le coffre. Ça m'a fait douter sur moi. Alors, est-ce que tu peux me faire des améliorations? Vu que t'es là. Et ça, c'est quoi ça? C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée? Oh, ça oui. Odin tient le royaume d'une main de fer. Oh. Si bien que tout intrus est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Tu as besoin de quoi? Alors, pierre de résurrection. Ah oui, quand on meurt, on peut faire, je crois que c'était carré dans le 1. Ou Atreus va utiliser une pierre de résurrection. Mais honnêtement, c'est mieux de les garder pour, aller des boss. Genre pas des monstres. Le mieux, c'est de recommencer au point de contrôle, quoi. Vous pouvez maintenant acheter des pierres de résurrection dans l'onglet. En plus, c'est cher, je crois. Grâce à ces pierres d'usage unique, Kratos peut échapper à la mort quand il est accompagné. Ouais. Attends, c'est 0 la première. La pierre ne s'active pas sans votre compagnon. Argent, 2000. Est-ce que tout va bien? Une. Ah, après c'est 1500, ok. Bon, on en a une déjà. Oh, on peut vendre! Yeah, let's go! Que puis-je faire pour toi? Je pense pas qu'on ait ça. Ah tiens, on peut avoir l'autre bouclier si on veut. Ça serait pas mal de faire le bouclier, avoir les deux boucliers, je suis d'accord, mais... Défense de 10 à zone 5, on passe. On va augmenter plutôt. Je vais désinfecter mes outils. L'armure, voilà, ouais, ça. De 6 à 17, tout va 3 bien à 11. Ou... Tu réfléchis? Je réfléchis. Et je te laisse tranquille. Merci. Je sais que Kratos, il a pas vraiment l'air d'un mec qui réfléchit, mais. Hein? Ouais, honnêtement, on devrait faire les deux boucliers. Oh, mais j'aime bien celui-là, moi. Voilà. Ça devrait faire mal. Bon, après, il manquera juste un peu d'argent, donc ça va. Mais au moins qu'on ait les deux, ouais. Mais je vais plutôt... Je fais chauffer la forge. Rester sur le premier. Les poèmes, on fait quoi? On peut les vendre? Poèmes et objets perdus. Rapport des artefacts et ateliers pour les échanger contre de l'argent. Les artefacts vendus continuent d'être compatibilisés dans l'avancement d'autres coins. Chut, j'arrive plus à réfléchir. Rapporter des artefacts et ateliers pour les échanger contre de l'argent. Les artefacts vendus continuent d'être comptabilisés... Dans l'avancement, ok, d'accord. Donc on peut vraiment tout vendre. Je les prends. Demain. Et ça, rapporter les artefacts que vous avez pour les échanger contre l'argent, ok. Donc ça fait de l'argent, quoi, bonus. Sympa, ça.
Donc, quelque chose en particulier ? On va prendre le bouclier intrépide aussi. Frappe fort et juste. On peut voir un peu. À la prochaine fois. Ok. Il est sympa, mais ouais, je préfère celui-là quand même. Kratos, il te faut une lance. Ah, le petit symbole de la flèche en l'air au-dessus de ma vie, je crois que ça doit être la pierre de résurrection. Par contre, oui, il y a un chemin là. Par contre, j'entends une sorte. C'est un corbeau d'Odin, le bruit ? Normalement, il n'y en a plus. Ah, si, c'est ça. Putain. Salope. Ah, ils font des putains de bruits, ces machins. Ah, du coup, je peux voir. L'avancement, en fait. D'accord, c'est une autre zone. Genre là, j'ai loupé une connaissance. Et après, il y a non découvert. Faut peut-être des compétences spéciales. On peut se téléporter ou pas? Non. Peut-être des compétences spéciales. C'est bête, j'ai raté une connaissance apparemment. Ouais, c'est pas grave. Après, de toute façon, on va... D'abord, on essaye de tout découvrir, tout ça. Enfin, on avance. Et on essaye d'explorer le plus possible. Ah, et après on reviendra sur les zones pour les compléter à 100%. Bonne chance. Mais je vais pas passer 3 heures à un endroit. Tout intrus sera considéré comme une menace. C'est pour protéger les nains ? Ça y ressemble. Mais connaissant Odin, il a probablement un motif caché. Ben, ici aussi tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher ? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. C'est très joli. On ne doit pas être loin de la taverne. C'est très complexe. Peut-être frapper aux portes pour demander notre chemin ? Non. C'est très complexe, en fait, je trouve. Ah ! C'est intéressant, ça. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance moins subtiles. Bombe incendiaire de grippe. Ce bon nombre de regrets concernant le temps que j'ai passé à Swanaren, mais de tout le plus grand concerne sans doute les grippes. Sans doute grippe, pardon. Il était un scribe naine incroyablement couronné. Ses traités enflammés sur... L'impérialisme financier d'Odin aurait fini par conduire les nains à la rébellion, eût-elle continué à les distribuer. Dans sa maîtrise des mots, elle était au moins mon égale et sa passion, sa fureur inspirait le respect à quiconque la lisait. Lorsqu'elle eut recours aux bombes incendiaires pour réduire en cendres les camps des As, d'autres l'ont suivi. Malheureusement, l'inconvénient à se faire clairement entendre, c'est qu'on est facile à trouver. Les Aeneas toléraient sa propagande, ses incendies, nettement moins. Lorsqu'elle fut prise, elle disparut avec l'intégralité de ses écrits. Je regrette que je ne jamais l'avoir rencontrée, je pense souvent à elle. J'aime à penser que nous serions amis si elle me connaissait telle que je suis aujourd'hui. Oh. Ah putain! Derrière toi, attention! Ah
ont peur ces petits trucs. Par contre, je crois qu'on est sur le bon chemin en fait. Donc je voudrais d'abord un peu explorer, juste au cas où. Quoique en fait j'en sais rien. Il y a plein de choses, j'en sais strictement rien en fait. Peut-être si je regarde la carte à la limite. Ça pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. Attends. Ah oui, c'est peut-être ça. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Toi. L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades d'une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Ouais, très allez. Bien. Est-ce que c'est lui? Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille? Plus tard, mon frère. Ah. Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant? La tête! J'ai de la peau. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. De quoi il parle? Ah, mais c'est des quêtes secondaires en fait. Arrêtez les tours de forage. Oui, c'est vrai qu'on pouvait avoir des quêtes secondaires. Non. Enfin, des services, ils appellent ça des services ici. Donc les yeux dedans, on a commencé. Donc arrêter la tour. Oui, avec ces noms-là. Et on peut avoir un minerai. Il se trouve sur une île traversée par un gigantesque portique. Il faut fera sans doute utile si une décision d'explorer l'endroit. La tour se trouve sur une île infestée de monstres. Il fera mieux de rester sur nos gardes lorsqu'on approchera. Se trouve sur une île dont un crâne géant occupe le centre. Examinez le dit crâne pour en avoir la peine. Pour en vouloir la peine. Ok. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ouais. Je vais juste explorer vite fait. De la vie on en a, donc je crois pas. Ah ah ! Coffre. C'est quoi ça ? On aurait besoin d'équipement spécial pour utiliser ça. Ah, ok. Encore que tu me le dis. Oh la vache! Et riposte du défenseur? Oh mon dieu, ils peuvent me taper pendant l'animation quoi. Non, je fais de la merde. Donc
Donc on peut avoir des buffs, ça aussi je me rappelais que ça s'activait quand on tapait, tout ça, ça dépend quoi. Par contre, d'où vient mon buff en fait? C'est mon bouclier niveau 2 qui m'a fait ça. Attends, head stat, non. Équipement automatique, c'est quitté. Normalement, il nous le dit. Protection du torse. Quoi? Attends. Blocage parade, une chance de... Ah, voilà. Je crois que c'est ça. Les blocages et parades ont une chance modérée de renforcer l'attaque suivante de Kratos pour produire une explosion qui inflige des dégâts. C'est ça, en fait. Ça marche. J'étais un peu surpris, en fait, de ça et tout, et du coup, j'ai mal joué. Ok, donc il faut de l'équipement spécial, ici. Ouais, mais viens. Ou Atreus. Merci. Attaque glaciale. Je vais voir un peu. C'est ça pour ça que je le spam. Et en plus, elle est vachement bien l'attaque. Elle est où? C'est ça. 15 sur 30, ok. Je trouve qu'elle est vachement bien cette attaque. Elle fait beaucoup d'étourdissements. Il y a encore des bestioles partout. Bon. Je crois qu'on peut avancer, parce que s'il faut un truc spécial pour ça, on l'a pas. C'était par là, je m'en rappelle même plus. Elle était où la porte? Merde. Attends. Par là. Par là, par là, par là. C'est parti. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref. Tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Ça sert merci, à quoi Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. Quoi? C'est une boussole. Ah, 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 une okay. Magnifique boussole. Maintenant, filez. C'est juste une boussole, ok, ça marche. Waouh. Boussole et carte. Boussole des nains et la carte peuvent vous guider vers les objectifs appuyés sur une case. Ça marche. C'est une boussole, quoi. R pour zoomer, dézoomer.
Marquez les lieux sur votre boussole, sur volant, appuyez sur Y. Appuyez sur L3 pour position actuelle. Panneau latéral affiche les progressions, lesquelles en cours. Ok. Ça, c'est le truc secondaire. Viens, il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là toute la nuance, petit frère. J'ai vu un quai là-bas. Il y a peut-être un bateau qui nous permettra de rejoindre Durlin. Alors attends, parce que là, il y a beaucoup de choses un peu partout. Ça, c'est quoi, ça? Ah, par contre, je voudrais bien que la boussole s'en aille quand on l'a pas besoin. Cool! Plein d'argent. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Désolé pour les poteries, mais bon. Fallait pas mettre de l'argent dedans. Un accès mystique a été ajouté à la carte, ça marche. Les yeux d'Odin. Quête disponible. Quête de tir au service d'Asgard. Ah là, la carte. Ok. Par contre, je vais regarder pour la boussole là, si on peut pas l'afficher en fait avec comme je fais là avec la vie et tout ça. Si la boussole elle reste constamment, je trouve ça un peu bof. Je reviens. Ok, on est bon. Donc maintenant, là on affiche tout la TH et là on enlève tout. Ok, ça marche. On peut faire ce qu'on veut avec la TH. Il y a un édifice après ces rochers ça. Derrière moi. Devrions nous en approcher. C'est vraiment cool. Ah, ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel. Elles sont dans la baie au bout de ce tunnel. Oh! J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Ça marche. J'aime bien qu'ils nous expliquent et tout ça, ils nous donnent des... Alors, par où on va? Ils nous disent si on veut explorer ou pas. On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. C'est quoi ça? Rosée de pouvoir unique. Pouvoir d'arroser l'arbre durable. Pouvoir unique augmenté de toute façon. Ah, ok. Ah, on va explorer. Mimir, c'est toi qui as fait construire toutes ces tours? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, quelque sorte.
Donc attends, j'ai récupéré des... Ah oui, rune c'est à 12. Ça a augmenté du coup, je crois. Objet important. Pierre de résurrection. Âge augmenté. Vie augmentée. Rosée. Boire la rosée a des bienfaits durables. Boire uniquement de deux façons permanentes. Genre, il faut juste le récupérer, c'est tout. Ça marche, je crois. Je pense. Oh. Tu fais une pause avant d'aller voir Durlin ? Ouais. C'est bien. Il peut être excessif. Je créerai tout ce que tu voudras. Oh, il a une nouvelle armure. Blastron parfait. Alors, une armure naine traditionnelle fabriquée avec du minerai de Nyovalir, je sais pas. Extrait par les tours de forage de la baie d'abondance à Svastra. Bref, c'est un ouvrage d'une qualité hors pair qui améliore la vitalité de son porteur. Ah, ok. Force, défense et vitalité. J'aime bien. Saisir un ennemi étourdi confère un regain de santé. Ah. Cool. Bon, par contre, il faut du minerai d'ici, du coup. J'ai pas de minerai d'ici. En passant, si vous allez autour de forage dans la baie, vous pouvez me ramener des scories ? Je pourrais en avoir besoin pour un projet. Des scories ? C'est quoi ça ? Tout ce que tu voudras. Alors, vendre. Artefact, objet perdu. Ça appartenait à l'un des rebelles, n'est-ce pas ? Objets spéciaux. Bouclier, on peut pas. Okay. On est bon. Rien ne te ferait plaisir ? Non. D'accord. On n'a qu'à aller là. Vache. Ah, quand ça pète, hein. On peut monter ? Oh, ça, je l'enlève. Oh. Oh, pardon. Pardon, c'est l'inverse. C'est quand on sera en haut, on pourra casser ça. Tour de guet. Non, il est encore là. Quoi? L'île près du geyser. Nous devons y récupérer la clé et ouvrir cette porte. Nous devons... Je dois réparer une très vieille erreur que j'ai commise. L'île près du geyser. Maudit puits de drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais merde! Derrière toi! Attention! Putain, tu veux pas me loquer Oh, wow. Oh mon dieu. Non non, j'ai pas besoin de la pierre. Non non, on recommence. Oh mon dieu. Ok, on va se réveiller là. Et du coup, quand j'ai je suis allé voir le menu, j'ai fait une petite pause et là, faut que je me réveille. Là. Oh la vache. Allez, go.
Tandis une pluie de brocard. Débarrassons-nous de tout ce monde. Ah oh, mon dieu. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Putain de merde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je fais de la merde. Oh, oh ce dash. Ce petit dash d'enchaînement de hache là. Il est mortel. Maudit pluie. Débarrassons-nous de ce monstre. Il est rapide. Putain. Je n'ai jamais rencontré pareil. Drogue, elle se battait comme sous l'impulsion d'une haine insatiable. Monstre est sorti d'une blessure de la terre qui s'est refermée dès que nous l'avons vaincue. Si nous découvrons d'autres puits similaires, nous devrons les fermer et abattre les créatures qui s'en émergeront. Elle était bien vénère la truc, surtout quand elle se transforme et tout ça, elle est encore plus rapide et tout ça. Ouais, tuer là, enfin tuer les d'abord les deux petits, puis après essayer de faire en sorte qu'elle se transforme pas quoi. Mais c'est chaud, c'est honnêtement bien chaud. Ça m'a pris quelques essais quoi. Mais ouais, on a récupéré quelques objets, c'est cool. Il reste de bêtes. Ça m'a pris à peu près 15-20 minutes, je pense. Bon. Ça de fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici ? C'est très joli en tout cas. Très très joli. Bon, du coup, il faut une clé. Il avait dit quoi ? Une clé sur une île.
Que cache cette porte ? Attends. Une prisonnière, en quelque sorte. Mais il faut la clé. Bah si elle est aussi sympa que le drogue là, on va s'amuser hein. Quelle est cette odeur ? Oh, bonjour Atreus. Sindri. Super. Je regarde si on a récupéré des choses. Que puis-je faire pour toi ? Si on a récupéré pas mal d'armes. Ah, c'est vrai que j'ai d'autres pommeaux aussi à crafter. Un pommeau en bois. La furie déchiqueteuse. Manche d'acier d'origine. Après, il y a ça, chance d'obtenir d'accès à la rage à chaque élimination avec les lames. Fait chance de coup de lame obtenir une augmentation de force et de pouvoir runique. Effet cumulable jusqu'à 3 fois. Bon, ça marche. Si tu changes d'avis. Ouais, au final, on n'a rien de, d'intéressant. Par contre... Ok, on va continuer. Il nous faut une clé. Oh, wow. Ce geyser était gigantesque. Il devrait nous mener à la clé ouvrant la porte de la tour de guet. Ok. Ah, j'ai cru voir un... Un corbeau de Odin qui se balade. Des fois, il vole et tout ça, il faut les choper pendant qu'ils volent. Mimir, combien d'histoires as-tu raconté sur Odin et Thor et tous les méfaits qu'ils ont commis? Voyons de combien on peut se souvenir. Père a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Assez. Nous continuerons plus tard. Ah, c'est cool, ils vont... La clé de la tour de guet doit se trouver quelque part sur cette île. Ils font le même système que dans le 1. Le poids des chaînes. Calamité ! Plan gauche ! Voilà. Calamité, d'où sort-elle ? Ça arrête pas de sortir, attends. Oh, y aurait pas un nid ? Oh, c'est quoi ça ? Là, ils sortent de ce nid ! En bon terme. Ils sortiront jusqu'à ce que tu détruises le nid ! Ça marche. Ok, cool. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Ok, donc des fois, il y a des nids de machin, quoi. De calamité. C'est bien, ils reprennent le même système que le 1, quoi. Avec de l'exploration et des petits lieux avec des quêtes secondaires et tout ça. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le 1 pour ça. Ah, apparemment, on peut continuer sur la droite. Derrière toi ! Oh la vache, les dégâts quoi. Putain, mais les dégâts des trucs quoi. Le sol a l'air fragile ici, père. Oui, mais oh, t'as vu le dégât des trucs quand même. Attends, moi c'est ça qui m'impressionne. Ok, là on peut figer des rotations. Par contre, je veux voir si on peut pas aller à droite. Il y a là une flèche là. Ah. C'est quoi ça, un cadavre ? Bon, il y a quelque chose, quoi. Mmh.
ça c'est pour le gelé, comme dans le 1. Est-ce que ça je peux... Ah voilà. Ce rouage, on dirait qu'il peut geler. Essayons de monter avec l'élévateur. Ce serait plus facile de briser le sol de là-haut. Oui, merci. J'avais compris quand même. On peut faire s'effondrer le sol d'ici ? Ouais. Alors là, il y a un coffre. Après, il y avait le cadavre, il avait quelque chose aussi. Oh mon dieu. À droite. Merde. Oh la pute. Attention à gauche. D'accord, super. Super. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'aime pas vraiment utiliser les pierres de résurrection. On les utilisera pour vraiment des gros trucs bien longs, bien durs. Faut pas prendre cette phrase hors de contexte. On peut les... Je... Fatos, tu veux, genre, cibler les petites choses quand je te dis de bouger? Bien. Oh putain, l'acide. Non, non, ouais, tout va bien, ouais. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça se voit, non? Ça se voit que tout va bien. Ouais, faudrait peut-être que j'aille dans les options un peu de la caméra, là, parce que des fois, Kratos, il veut juste pas cibler les ennemis que je veux. Et je crois qu'il y a plein d'options pour ça. Je sais pas, j'ai un problème pour changer de cible, en fait. À droite, mon frère. À droite. Merde. À droite, mon frère. Go!
Prends-la. Donc, il a utilisé les dagues. Finir. Peut-être que c'était plus facile avec les dagues. J'ai pas testé. Je suis un peu plus à l'aise avec la hache. Donc j'utilise la hache. Nous avons les calamités en horreur. Ce n'est pas un secret. Mais il y a pire encore que ces petites taines. La chose qui les engendre. Si la calamité naît avec l'odeur qu'on le reconnaît, ce n'est pas difficile d'imaginer l'épreuve olfactive. Pardon. Que constitue leur mère? Le plus malheureux, c'est que les tuer déclenche une éruption de calamité plutôt que de nous en débarrasser. C'est des créatures définitivement pénibles. Eh ben. Mimir, c'est ça? Là-bas. C'était assez compliqué. Ah oui, aussi un truc. Alors j'ai dû couper tout ça. J'ai édité et tout parce que ça m'a pris quelques essais. En fait, j'ai eu un problème pendant un petit moment. C'est le verrouillage. En classique, je sais pas, Kratos, il a du mal à vouloir viser en fait les petits ennemis. Je sais pas pourquoi. Il veut pas changer de cible. Donc se déverrouille quand la cible meurt ou quand vous visez. Les cibles peuvent rompre le verrouillage avec des coups spéciaux ou en se plaçant hors de portée et tout ça. Mais on avait la mère en fait en face de moi. Avec les petits à côté, et impossible de vouloir verrouiller en fait les petits. C'était extrêmement embêtant pour ça. Donc du coup, visée automatique, et là ça passe mieux. Alors je sais pas si c'est considéré comme rendre le jeu plus simple ou pas. Mais ouais, c'était extrêmement chiant. J'étais obligé de délock et tout ça, et de combattre, de tuer les petits comme ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très relou. Donc du coup, en visée automatique, ça se passe beaucoup mieux pour tout ce qui est add en fait, à vouloir viser. Donc voilà, un petit truc si jamais vous avez des problèmes avec ça. C'est la clé que nous cherchions. À présent, allons à la tour de guet sur la rive. Yay, on a la clé. Par contre, on n'a pas fini ici. Qu'est-ce que tu nous caches ? Les tours de forage ne sont pas mon seul péché, Svartalfheim. Je suis sûr qu'il manque des trucs, là. Non ? Il y avait un cadavre. Oui, voilà, là. Il y a un truc. Il y a un cadavre à récupérer, je sais pas comment. Bon, ça a pas l'air d'être... je pense qu'il faut sûrement tourner ça dans l'autre sens ou un truc comme ça. À mi-chemin. Ah, ou tu veux que je le laisse... Ok, je vais voir. Genre comme ça, là. Et là, le cadavre, il est en bas, ou... Ah, yes, c'est ça. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal à éditer. Il y a deux combats qu'on a fait contre des boss, c'était un peu galère, mais c'est surtout gérer les adds et tout ça. Donc c'était un peu la galère. Mais et ça m'a pris une vingtaine de minutes à chaque boss en fait, le fait de les refaire et tout. Donc il faut que j'enlève ça. mais ouais, ça va, ça commence à venir. C'est comme le premier, honnêtement. Le début est extrêmement, extrêmement dur en God of War. Mais après, ça devient de plus en plus simple. Au fur et à mesure qu'on débloque des runes et des armures. Et pour le moment, on est très, très limité. Tiens, les manches de l'impératrice maudite. Ça, c'est nouveau, ça. Chance faible, chaque coup de lame d'obtenir une augmentation de force, de pouvoir... Tiens, elles sont niveau 2, en plus. Pas mettre ça, mais ouais, il faut que je sais pas, je suis pas très fan des lames. Je me rappelle que même dans le 1, j'utilisais pas vraiment trop les lames et je les utilisais en fait pour utiliser les runes
parce qu'elles se rechargent en fait, elles sont indépendantes les unes des autres entre la hache et les et les dagues. Donc j'utilisais ça, puis après j'utilisais surtout la hache parce que je kiffe la hache. Mais ouais, on va s'arrêter et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, ciao ciao.